Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons voir comment insérer un tableau accessible sur un document qui est créé dans un logiciel de traitement de texte. Je suis ici sur Word et je m'intéresse particulièrement à la possibilité d'y rajouter une légende, un titre et un texte de remplacement à mon tableau. Je retrouve dans mon document l'emplacement dans lequel je souhaite insérer mon tableau et j'ai le troisième menu, donc le troisième onglet en haut à gauche, où je retrouve un bouton tableau. Je peux déplacer les curseurs de la souris pour définir le nombre de lignes et des colonnes que je souhaite présenter dans mon tableau ou encore passer par les menus insérer un tableau. Là, j'ai une fenêtre qui s'affiche où je peux également définir le nombre de colonnes et le nombre de lignes que je souhaite présenter dans mon tableau. Je peux modifier les comportements de l'ajustement automatique, c'est-à-dire définir une largeur de colonne fixe ou laisser automatique, ajuster au contenu ou à la fenêtre. Et je peux également, si je veux, mémoriser les dimensions pour des nouveaux tableaux. J'ai fait OK et voilà mon tableau inséré dans mon document. En même temps, il y a un menu qui apparaît en haut, qui s'appelle donc Outils de tableau, où j'ai deux onglets, un onglet de création et un onglet de disposition. Dans l'onglet de création, vous avez des styles de tableaux prédéfinis. Alors, je vais choisir un pour vous montrer l'exemple. Donc, si je clique sur la flèche vers les bas, il y a une fenêtre qui s'affiche avec plusieurs styles de tableaux différents que je vais choisir comme ça. Donc voilà, il a appliqué un style dans mon tableau. Alors, je m'intéresse aussi aux options qui sont présentées à gauche. Vous avez des options de style de tableau. La ligne d'en-tête, donc si la case ligne d'en-tête est cochée, cela indique que le contenu de votre première ligne, il sera différent du reste des contenus dans les autres lignes de votre tableau. Cela indique les titres de chaque colonne. Donc, si vous essayez d'insérer un texte, vous allez voir que vous avez donc les titres des colonnes et que cela se présente d'une façon différente du reste du contenu de votre tableau. La même chose pour la première colonne. Ici, dans cet style prédéfini, ma première colonne a été définie, donc première colonne. Donc, cela me permet d'insérer un titre pour chaque ligne de mon tableau. Je peux également rajouter une ligne totale. Donc, la dernière ligne, c'est la ligne qui va présenter les résultats et elle a un style différent. Et pareil, je peux rajouter aussi une dernière colonne, donc une colonne qui contiendra des résultats, donc les totales dans mon tableau. L'option ligne à bande ou colonne à bande indique que je peux modifier la présentation, donc rajouter par exemple des couleurs différentes dans les lignes paires ou dans les lignes impaires pour aider visuellement mon lecteur à suivre les informations présentées dans les tableaux. Donc je peux décocher la case si je ne souhaite pas que les lignes soient dans des couleurs différentes ou rajouter même des colonnes à bande, comme ça il définit des couleurs différentes. Ici, comme mon tableau n'est pas assez grand, je vais désactiver ces options. Voilà, donc j'ai un petit tableau. Vous avez aussi la possibilité de modifier la trame des fonds, donc les couleurs de votre tableau, et de modifier les bordures. Donc si vous activez par exemple toutes les bordures de votre tableau soient activées. Pour sélectionner tout votre tableau, quand vous cliquez sur votre tableau, vous avez une petite croix qui apparaît, donc un icône qui apparaît en haut à gauche de votre tableau. Si vous cliquez sur cette croix, vous avez la possibilité de sélectionner tout votre tableau. Donc ici, je vais appliquer des bordures, toutes les bordures, sur l'ensemble de mon tableau. Voilà, ça a été affiché. Vous pouvez également modifier les traçages des bordures. Et si vous passez dans l'onglet « Disposition », vous avez encore d'autres options. Supprimer ou rajouter des lignes et des colonnes dans votre tableau. Fusionner ou fractionner les cellules. Il est fortement déconseillé de fusionner des cellules parce que cela rend la navigation et la lecture de votre tableau plus difficile pour le lecteur. Vous pouvez également modifier l'alignement du texte ou même faire des modifications dans les données, dans les tableaux qui a été inséré sur Word. Ce qui m'intéresse ici, c'est la possibilité de rajouter des propriétés pour rendre mon tableau plus accessible. Alors, je fais un clic sur mon tableau, donc n'importe où, et je fais un clic droit avec les boutons droits de la souris,
et j'ai l'option propriété du tableau. Je retrouve des options d'aperçu visuel comme on avait vu dans les menus, mais ce qui m'intéresse c'est le dernier onglet qui s'appelle texte de remplacement. Ici je peux rajouter un titre pour mon tableau et également une petite description. Donc je clique sur les champs description et je peux rajouter une description pour mon tableau des données. Donc j'ai ajouté du texte juste pour vous faire un exemple. J'ai fait OK et voilà. Donc c'est une information qui n'est pas présentée visuellement, mais qui existe et qui peut aider certains lecteurs à retrouver votre tableau dans votre document. Si vous sélectionnez l'ensemble de votre tableau, donc en cliquant sur la petite croix, l'icône qui apparaît en haut à gauche de votre tableau, là vous pouvez aussi faire un clic droit et vous avez l'option de rajouter une légende. Alors j'ai fait, voilà, nous elle était en bas. Donc j'ai fait un clic droit sur les petites icônes plus qui apparaît en haut à gauche de mon tableau et j'ai l'option insérer une légende. Là je peux donc rajouter une légende à mon tableau. Donc ici c'est tableau 1, donc c'est un tableau avec une numérotation automatique par rapport aux autres tableaux de mon texte et je peux rajouter donc une légende, par exemple le titre du tableau. Alors donc tableau c'est une étiquette, c'est le même système de légende qui est présenté pour les équations des figures. Vous pouvez modifier la position, donc ici c'est représenté au-dessus de la sélection. Et j'ai fait OK et voilà, il a inséré au-dessus de mon tableau l'étiquette, donc tableau, avec une numérotation automatique 1 et les titres du tableau qui est la légende que j'ai rajoutée. Et voilà, à bientôt!